Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Aujourd'hui, on va parler d'un super bouquin. Vraiment, j'insiste sur le super bouquin. Ça fait des années que je cherche un machin comme ça. L'assiette du sportif. C'est écrit par Coralie Ferreira et Axel Ehlin. Axel est nutritionniste à l'INSEP, si je dis pas de conneries. Et Coralie est auteur et grosse passionnée de bonne bouffe naturelle, etc. Je dis que je cherche ce bouquin depuis des années pour que je vous parle d'un livre comme ça, c'est réellement que c'est très très important. Je le mets au même niveau, selon moi, que la méthode de musculation de Delavier. La méthode de muscu de Delavier, elle va vous permettre de connaître la biomécanique de votre corps. Quels sont les muscles qui travaillent quand on fait un mouvement, de quelle manière, quelles sont les variantes de ce muscle, etc. C'est vraiment le bouquin à acheter si vous commencez à faire du sport type fitness, muscu, crossfit, etc. Achetez ce bouquin, même si vous ne faites pas tous les exercices, l'idée c'est pas de connaître tous les exercices et de les faire, l'idée c'est de savoir comment fonctionne votre corps quand vous faites un mouvement. Bref, ça c'est l'approche biomécanique, anatomique du mouvement. La partie qui est super importante et qui est toujours oubliée, par moi le premier, c'est celle-là. C'est ce qu'il y a dans votre assiette, c'est ce que vous mangez. Je sais que c'est super important, on me l'a toujours dit, etc. Et c'est évident que c'est super important parce que ce qu'il y a dans votre assiette, c'est simplement le carburant qui va faire fonctionner votre corps. Donc vous pouvez vous la donner autant que vous voulez à l'entraînement. Il y a un moment où il faut trois piliers, c'est l'entraînement, c'est cool, l'alimentation et le repos. Et s'il manque un de ces trois, eh bien foncièrement, ça va être de suite plus compliqué. Donc, la partie préparation physique, c'est pas un problème, je suis très assidu là-dessus, aucun souci. En revanche, la partie alimentation, j'ai toujours été très feignant et j'ai pas toujours eu les bonnes connaissances, entre guillemets, de ce qu'il fallait mettre dans une assiette. Alors, on sait toujours qu'il faut des trucs naturels avec des vitamines dedans, de type fruits, légumes et des minéraux, des sucres lents et des carbs pour pouvoir apporter de l'énergie tout au long de la journée et des protéines pour pouvoir, régénérer vos petits muscles, vos petites fibres musculaires quand vous allez faire une activité physique. Ok, on a tous les bases. Mais après, on y met quoi là-dedans? Il y a quoi qui rentre dans quelle catégorie et qu'est-ce qui fait qu'un plat va être bon? Et ça, moi, je suis une totale buse. Totale buse. J'ai jamais su faire, on m'a jamais appris. Et j'ai 31 ans en février, là. Et je me retrouve un peu comme un con à manger des trucs qui sont purement utilitaires. Une boîte de thon, une boîte d'haricots verts et des pâtes. Et il y a tout ce qu'il faut dedans, c'est top. Mais on peut largement faire mieux. Et du coup, ce bouquin est exceptionnel en ce sens-là. Ça, je disais au début, ça fait des années que je cherche un livre comme ça parce que des livres de recettes, il y en a plein, il y en a la toque. C'est pas le problème. Des livres de recettes pour sportifs, il y en a pas mal aussi. Des livres pour les sportifs, il y en a énormément également. Mais c'est la première fois que je tombe sur un livre qui n'est pas vraiment un recueil de recettes. Il y en a des recettes dedans. Plus de la moitié du livre à peu près, les deux, un bon gros deux tiers. Mais il y a aussi et surtout des explications sur le pourquoi c'est bien de faire ça. Et ça change tout. Alors, je ne suis pas d'accord sur un des points qu'il y a dans le livre, c'est que eux conseillent énormément de produits laitiers. Moi, vous m'en ferez plus manger depuis que je n'en mange plus, depuis que je ne bois plus de lait, depuis que je ne bois plus de yaourt, mange plus de yaourt. Il y a des trucs qui ont totalement changé dans mon corps et c'est fabuleusement fabuleux. Je vous invite à lire Les mensonges et propagande, je vous en avais déjà un petit peu parlé, pour avoir l'autre version, l'autre son de cloche des gens qui ne boivent pas de lait. C'est un autre sujet. En dehors de ce point-là, ce livre est absolument exceptionnel parce qu'au début, vous allez avoir un rappel des bases, les besoins nutritionnels du sportif, le placard idéal du sportif, les trucs. Vous voulez être bête comme je peux l'être moi, vous allez faire vos courses et vous listez tout ce qu'il y a là-dedans. Pardon, tout simplement. Les différentes fiches techniques. Il y a des super jolies photos aussi, c'est très très cool. Les fiches techniques, quels sont les produits, les fruits et légumes de saison? Moi, c'est un truc, on m'a dit oui, il faut acheter de saison. Je le sais qu'il faut acheter de saison, je sais aussi qu'il faut acheter local. Mais on les trouve. Enfin, c'est quoi un fruit de saison? Comment je le sais, moi, si on me l'a jamais appris? C'est là. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Il va y avoir les féculents, c'est une source d'énergie. Pourquoi? Quand est-ce qu'on en mange? Dans quelle quantité? Etc. Viande, poisson, œuf, l'entretien de la construction musculaire. Tout est expliqué. Viande, poisson, œuf, etc. Alors, je vais pas vous passer tout le bouquin parce que l'idée, c'est pas de scanner le livre et de le mettre sur internet, très clairement. Mais tout est expliqué. Les corps gras et oléagineux, c'est bien pour la santé cardiovasculaire. Où c'est qu'on en trouve? Lesquels sont de meilleure qualité? Pourquoi? L'hydratation, la boisson de l'effort, avant l'effort, qu'est-ce qu'il faut manger, le repas de la veille, le dernier repas avant la compétition, et c'est tout synthétisé sous, alors je vous en remontre, mais voilà, le dernier repas avant la compétition, c'est tout synthétisé sous forme de petits trucs simples, faciles à comprendre, et ça change tout, parce que la plupart du temps, quand vous achetez un bouquin sur l'alimentation du sportif, c'est de suite compliqué, c'est de suite chiant, ça rentre de suite dans une chier de détails,
ou pas assez. Et là, c'est juste, ça me parle. Ça me parle. J'ai acheté ce bouquin la semaine dernière. Ça vaut 20 euros sur Amazon. J'en ai parlé rapidement. J'ai fait une petite photo Instagram l'avant-veille de Noël pour que vous ayez le temps de le commander, pour l'avoir au pied du sapin et l'offrir à un sportif chez vous, parce que réellement, je trouve que c'est un super cadeau. Bon, là, Noël est passé, donc je vous fais un article, etc. Mais j'avais pas le temps l'autre jour de vous faire un article pour vous en parler. Et tout est excessivement bien. La récupération post-training, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que. Tout, tout, tout. Et après, vous avez des détails. Repas par repas avec des recettes traditionnelles pour vous amuser à cuisiner des petits trucs. Voilà, les tartines de pain complet avec des avocats. Moi, quand je vois des trucs comme je me dis, mais putain, mais c'est vrai que je pourrais juste manger des avocats. Et donc, à midi, je me suis mangé mes petites pâtes complètes, parce que dans le bouquin, il s'est expliqué pourquoi des complètes et pas autre chose. Même si je prenais du bio, c'est mieux de prendre du complet. C'est vrai, j'avais juste oublié. Du poulet, un avocat, c'est juste trop bon. C'était super simple. Mais c'était naturel, c'est des trucs que j'ai achetés, j'ai cuisiné, ça m'a pris peut-être 10 minutes. Et il y a ce plaisir de faire à manger que je n'ai jamais eu et que je commence à découvrir. Jusqu'à maintenant, faire à manger, c'était une contrainte. Et là, je trouve ça fun, en fait. La phase de voir les trucs. J'ai envie de m'appliquer à faire ça. Et pour une bonne partie, c'est lié à ce bouquin. Donc, très chère Coralie, très cher Axel, merci beaucoup pour avoir écrit ça. Parce que c'est juste bien fait. C'est juste super bien fait. C'est des codes couleurs, etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Quels sont les types d'aliments qu'il faut? Avec qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui est à privilégier? Qu'est-ce qui est à éviter? Top, c'est top. Franchement, c'est trop, trop bien. Alors, il y a plein de recettes dedans. Il faut que après, petit à petit, je me motive à les faire, prendre la liste de courses qui va bien, à aller acheter les trucs et les faire ensuite. C'est juste génial. Ça vaut 20 euros, que ça soit pour vous ou pour offrir. Si vous le prenez, prenez en même temps la méthode de Lavier si vous l'avez pas. Vraiment aussi pareil si vous faites du fitness, si vous faites de la muscu, si vous faites du crossfit, tous les trucs où il y a une barre à un moment et où votre corps porte des charges. Ça peut être intéressant d'avoir la méthode de Lavier. Mais celui-là est putain de ouf. Et alors je vous l'ai pas dit, mais effectivement, ça aborde tous les panels de sport, que ce soit du sport d'endurance. J'ai fait beaucoup de vélo moi quand j'étais plus jeune. Les sports d'endurance ou les sports très explosifs comme la muscu et l'haltérophilie de maintenant. Top. Je sais pas quoi vous dire de plus. Encore une fois, ça vaut 20 euros sur Amazon. Vous avez le lien en bas de cet article et je vous mets aussi un lien vers la méthode de la vie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.